Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo en vrac. Je dois aller faire des courses, je vais aller faire quelques courses chez Aldi, donc notamment pour les fruits et légumes, je vais aller voir s'il y a des produits en DLC et ensuite j'ai un drive à aller chercher, donc c'est ce que je vais aller faire. Ça va pas être une vidéo retour de course parce que j'ai pas acheté grand chose en fait. Je me rends compte que la semaine dernière, en fait, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Ce qui m'a bien aidé, c'est d'avoir trouvé la viande en DLC, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'en acheter. Enfin, en fait, je n'ai pas besoin d'en acheter pour cette semaine, donc c'est vraiment un grand plaisir. Et donc, je vais essayer de retrouver des produits en DLC pour la semaine prochaine, même peut-être la semaine d'après. Mais sinon, c'est pas un retour de course parce qu'il n'y a pas grand chose. Et si je nomme ça retour de course et si je ne fais une vidéo que pour ça, c'est même pas la peine. Je vais me faire harponner, alpaguer, lyncher, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on va passer une petite partie de la journée ensemble. Il y a une différence de prix entre le bleu d'Auvergne et le Roquefort et je ne savais pas quelle était la différence, est-ce que c'était une appellation? Mais en fait, le bleu d'Auvergne c'est du lait de vache, tandis que le Roquefort c'est du lait de brebis. Les légumes surgelés conservent 80% de leurs vitamines par rapport à du frais et ils sont aussi très économiques. N. N. Oui. Nounou. N comme nounou, oui. Et ensuite, quelle lettre? O. O. Oui, du coup tu te mets à l'abri dans la voiture. Oui. Il y avait pas mal de monde chez Aldi. Et en fait quand j'ai vu le monde qui était à la caisse et que Margot elle était en train de s'intéresser aux lettres, je me suis dit bon on va prendre le temps, on va regarder un peu les lettres. Et en fait à ce moment là la caissière a dit vous pouvez aller en caisse 4 s'il vous plaît. Et en fait, j'étais juste devant la caisse 4. Donc, parfait. Je suis passée devant genre une quinzaine de personnes qui attendaient à l'autre caisse. Mais quand même, les deux personnes qui sont arrivées juste derrière moi, qui faisaient la queue, j'ai pas été vache. Je les ai laissées passer, surtout qu'ils avaient pas grand-chose. Enfin, moi, j'avais pas grand-chose non plus. Mais voilà, je me suis dit, tiens, pour une fois que ça m'arrive à moi, parce que ça m'arrive jamais, ce genre de truc-là. Donc, j'étais super contente. Bon, eh bien, maintenant, je vais aller chercher le drive, parce que j'ai passé une commande au drive. Et en fait, je me suis dit, je vais aller chez Aldi avant et je vais aller au drive après, ce sera plus simple. Mais en fait, ça se trouve, il va manquer un produit que j'ai commandé au drive. Et au drive, j'ai commandé des produits que j'avais vraiment besoin. C'est-à-dire que s'il manque un produit au drive, il va falloir que je retourne à Aldi pour aller prendre un truc. Mais pour moi, ça me paraissait plus simple, en fait, d'aller faire mes courses et après d'aller chercher mon drive. Donc, on verra bien, ce sera la surprise. C'est bon, je suis arrivée au drive. Juste, j'espère. Donc, il ne manque rien. C'est trop en suspense. Commande drive complète. C'est pas merveilleux, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est le troisième drive que je fais et c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, en même temps, j'ai pas pris grand-chose. Est-ce que vous aussi, vos enfants s'endorment en voiture, mais genre quand vous avez même que 10 minutes de trajet à faire? Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, l'histoire de mes enfants. Hein, bon, maintenant, Valentin et Thibaut, ils sont grands, donc c'est moins fréquent. Quoique Thibaut, il a encore tendance à s'endormir pas mal. Mais quand ils étaient petits, Valentin et Thibaut, tu faisais 5 minutes de voiture, même pas. Ça roupillait, quoi. Et là, bon, bah, s'endormir, mais j'aurais aimé qu'elle mange avant de s'endormir, en fait.
Et le truc, c'est que le transfert, maintenant, à son âge, c'est un peu compliqué. Un petit cas. Mais c'est tout, on verra bien. Je vais essayer de la transporter doucement. Mais le souci, c'est qu'il y a un vent dehors. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Ça risque de la réveiller. Mais l'autre souci aussi, c'est que si jamais là, Margot se réveille, elle aura dormi 5 minutes, mais elle va être partie pour toute la journée. Et elle va être très fatiguée vers 18-19 heures. Et ça va être très, très compliqué à gérer. Très, très compliqué à gérer. Non, j'exagère parce que c'est vraiment pas une enfant compliquée. Enfin, une enfant compliquée. C'est pas une enfant, comme on peut dire, difficile en fait, Margot. Mais c'est vrai que des fois, la fatigue lui fait faire un petit peu des trucs un petit peu ennuyants, mais ça va quoi. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer. En fait, je vais vider la voiture et je reviendrai chercher Margot juste là. De toute façon, je suis garée voilà, à l'intérieur de chez nous quoi. Donc ça risque rien. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais commencer par vous montrer le frais. Comme d'habitude, comme ça, je vais pouvoir aller le ranger. Donc, j'ai fait Aldi et Leclerc. Hein, comme si vous avez suivi, vous vous en êtes bien aperçu. J'ai pris du chou-fleur en fleurette. C'est moins cher au kilo. Et c'est français. J'ai pris des lardons de saumon fumé pour faire des tagliatelles au saumon, donc aux deux saumons avec saumon fumé et filet de saumon, normal. Pavé de saumon plutôt. J'ai repris du jambon, comme ça, sans nitrite. Une pâte brisée pour faire une quiche. Deux pâtes feuilletées pour faire une tarte aux pommes et un flan. Du râpé fondant. J'ai donc pris du roquefort, du cheddar. Celui de chez Aldi, je le préfère largement à celui-ci. Mais il est bien aussi, mais celui-ci, il se déballe vraiment moins bien. J'ai pris des allumettes pour faire une pizza au cas où. Des lardons pour faire la quiche. En DLC, j'ai trouvé des tomates séchées que je vais mettre dans une salade de pâtes. Ça va être excellent. J'ai trouvé des steaks hachés, donc à moins 30%. Tout est au 13. Voilà. Donc ça va aller au congèle. Mais j'en ai aussi au congèle. Hein. J'en ai déjà au congèle. Donc ça, je vais les mettre en dessous des autres pour bien faire la rotation, en fait. Et surtout, mon but, c'est, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment pas de remplir mon frigo de produits en DLC parce que remplir un congèle, c'est bien, mais enfin, c'est pas infini la conservation au congèle. Donc, j'aime autant avoir des choses pas trop anciennes quand même. Et j'ai pris des filets de poulet Colin panés à moins 30% parce que j'en ai déjà pris qui étaient en DLC aussi. Et franchement, c'est super bon. Voilà, voilà. Du beurre. Ensuite, j'ai repris un genre de fromage blanc, enfin c'est une spécialité au yaourt, à la cerise. C'est super bon et mon mari aime beaucoup les choses à la cerise. Et Margot a voulu prendre des flans au caramel. Alors, c'est pas un truc qu'on mange beaucoup à la maison, mais c'est possible qu'elle ait mangé ça chez Nounou. C'est possible. Pour le reste, j'ai pris des bananes. J'en ai encore 3 à la maison. Mais elles commencent à noircir, je pense que je vais en faire un cake, sinon des pommes. J'en ai plein. À la maison, j'ai pris que ça en fruits. Comme il reste plein de pommes, il me reste encore un peu d'orange aussi. Je voudrais vraiment, je voudrais que tout soit terminé. Des champignons frais, un artichaut. Moi, j'adore ça. Bon, je suis la seule à en manger ici. Un petit peu Margot, mais c'est pas grave. Moi, j'ai le droit aussi de manger ce que j'aime. J'ai pris des citrons, 4 citrons. Ils sont beaux. Je vais en faire sans doute un cake au citron. Et en ce moment, j'ai pas mal envie de me manger une tarte au citron meringuée. Bon, je sais bien la faire. Mais voilà, je me ferai peut-être une tarte au citron meringuée dans les semaines qui viennent. J'ai pris une salade, comme d'habitude. Alors moi, j'ai planté de la salade. Tiens, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Bon, en fait, j'ai pas planté, j'ai semé de la salade. Donc, je la mets ici. Je fais comme ça tous les ans. Et j'ai toujours de magnifiques salades. Donc là, je laisse encore un petit peu pousser et après, je remettrai en petit godet pour laisser bien pousser et ensuite pour mettre en terre. Et dans quelques jours, je vais refaire un deuxième semis de salade. Comme ça me permet d'en avoir tout au long de la saison et pas les salades tout en même temps. Et après, ça monte en graines et bon, c'est assez infernal. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai semé. Tant qu'on y est, ici, ce sont des poivrons précoces.
mais qui ne sont pas encore sortis. Et ici, ce sont du céleri branche, c'est pareil, c'est un petit peu plus long. Et ici, ce sont des petits semis que Margot a fait au relais d'assistante maternelle, donc aux activités qu'elle fait avec sa nounou. Elle a planté de la salade et du persil. Donc on m'a dit que voilà, qu'il y avait beaucoup beaucoup de graines au centimètre carré, mais bon, ça c'est normal. Margot a planté aussi des petits pois dans le jardin et c'est pareil. Il y a une densité de grains, enfin de graines assez élevée quand même. C'est normal. Et sinon, vous avez vu mon support à semis. J'ai mis ça en attendant, mais il faut qu'on descende la serre et il faut que je mette aussi le grand banc en fait qui nous sert pour les semis. Donc moi pour les semis, je fais comme je fais tout le temps en fait. Ça marche très bien comme je fais, donc je continue à faire comme je fais. Alors on continue. J'ai acheté ce mélange-là, blé, pois chiche et lentilles corail. Sur les conseils de mon amie en fait, elle fait beaucoup de choses comme ça pour son fils et je me suis dit tiens, ça pourrait vraiment changer, ça pourrait passer un peu inaperçu hein. Donc on essaiera, moi ça c'est sûr que je vais aimer, c'est plus pour les enfants en fait, vous voyez bien, j'aimerais leur faire manger un petit peu plus de choses comme ça, donc j'essaye des trucs quoi. Une mayonnaise, donc la mayonnaise que j'adore c'est la Le Sieur. Ben, c'est en rupture en ce moment, alors qu'elle est censée être en promo, le deuxième à moins à 65%. J'aurais été contente de l'avoir, mais ben, c'est en rupture en ce moment. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Maïs et des champignons. Et sinon, j'ai pris, bon, ça n'a rien à voir avec l'alimentaire. J'ai pris des brosses à dents pour Margot parce que je dois changer sa brosse à dents à la maison. Mais je dois apporter aussi une brosse à dents chez Nounou. Depuis le temps que je le dis, ça y est, j'y ai enfin pensé. Et j'ai repris des sacs congélation chez Aldi. Ils sont super, les sacs congélation chez Aldi. Ils sont très épais. Ils sont vraiment super bien et ils se gardent bien. En fait, je les réutilise, je les lave. J'en ai pris des grands, 3 litres. Parce que moi, j'ai des sacs congélation que j'ai achetés en silicone, donc réutilisables. Mais des grands de 3 litres, j'en ai pas encore trouvé. Et bah ça me fait défaut. Donc du coup, j'ai racheté ça. Et ça, c'est bien pratique. J'en utilise toujours un. Pour quand j'épluche ma salade, voilà par exemple, vous voyez ça, et ben je le mets dedans et ça se conserve nickel. Et du coup, en fait, le sac, je le garde. C'est mon sac spécial salade. Voilà, sinon, vous avez peut-être aperçu cette cigarette électronique. Elle ne me sert quasiment plus. Mais elle m'a aidée à arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer au 1er février. Ah, et puis, j'ai également acheté un pack de lait. Puisque mais le lait part beaucoup en ce moment. Parce que je me suis mis à boire de la ricorée. C'est l'heure pour moi de manger. Alors, il me reste du gratin de chou-fleur et pommes de terre que j'ai fait. Ça peut peut-être paraître beaucoup. Enfin, même c'est beaucoup. Mais j'ai mis ce qu'il me restait dans le plat. Et Margot dort encore, mais elle ne devrait pas tarder à se réveiller. Donc... elle en mangera aussi. Un restant de coleslaw. Et j'ai fait deux croque-monsieur. Bon, je les ai fait au grille-pain parce que j'avais la flemme de sortir l'appareil à croque. Mais c'est pas dit que je les mange. Bon, c'est pas dit que je mange tout. Mais sinon, bon, Margot, de toute façon, quand elle se réveillera, il y en a un pour moi, un pour Margot, quoi qu'il arrive. Et puis, bon, si c'est pas mangé, ça va au frigo. On remettra à réchauffer un petit peu. Et puis, voilà. Bon appétit. Bon, j'ai de l'eau gazeuse ici. Et voilà, je vais manger parce que je crève la dalle. J'ai rangé ma cuisine, j'ai nettoyé ma cuisine, tout est nickel. Genre, de fond en comble, ma cuisine est nickel. Et maintenant, je vais aller tout resaloper puisque je vais aller cuisiner. Parfait. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu nettoies de fond en comble ta cuisine avant de cuisiner ? Tout simplement parce que je suis incapable de travailler dans un environnement pas bien rangé et pas propre. Je dis pas que je veux... Je disais avant que cette petite mademoiselle me réclame une pomme en collation de 15h12 que je suis en fait incapable de travailler, enfin surtout de cuisiner, si c'est pas rangé nickel, si c'est pas propre et tout ça. Et donc ce n'est pas une question d'hygiène, que je veux que tout soit nickel, zéro bactérie, tout ça. C'est pas ça, c'est juste, voilà, j'ai besoin de ça. C'est comme le soir, quand je vais me coucher, il faut que mon lit soit fait. Donc le matin, quand je me lève, je vais faire mon lit, même si je vais le défaire le soir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Et ça me permettra, parce que là, je ne vais pas faire un gros batch, ça me permettra aussi d'en avoir beaucoup moins à faire après. Et ça me permettra aussi de cuisiner beaucoup plus vite, parce que je ne vais pas avoir cette tension, cette pression, que, oh, bah tiens, il y a des trucs dans l'évier, oh, puis ça, c'est là, oh, puis il y a des miettes par terre. Zen.
Alors là, les amis, on est parti pour faire des boulettes à la Suédao. Alors, l'assaisonnement, pour moi, ça va être oignon, sel, poivre, ciboulette, moutarde. Déjà, on va commencer par faire cuire les pommes de terre à l'eau. Et alors là, mes chers amis, si vous voulez ajouter discretos, mais alors dans la plus grande discrétion du monde, des légumes, c'est le moment de les ajouter aux pommes de terre. Alors moi, parce que je suis maligne, mais mes enfants sont beaucoup plus malins que moi, si j'ajoute un légume vert, ils vont le voir, parce que la couleur est verte. Donc je vais ajouter un légume qui a la même couleur à peu près que les pommes de terre. Je vais ajouter du chou-fleur. Eh oui, messieurs, dames, donc je vais ajouter un peu de chou-fleur. Et avec le mélange, la viande, la panure, le truc qui croustille, c'est des croquettes avec des pommes de terre et du steak haché. Ça va passer crème. Priez pour moi, je vous dirai. Bon, je fais ça, mais en fait, Valentin et Thibaut ne sont pas là, hein, donc... C'était la mise en scène. Mal. C'est pour pas te faire mal. Ben, je... Bon, je me mets ici, parce que dans la cuisine, clairement, c'est le bazar, avec la hotte en route, la cocotte minute qui est en train de... Voilà, du coup, sinon, on ne m'entendrait pas. J'ai regardé pour faire la salade de pâtes avec les tomates séchées. Ça aurait été super cool de faire ça avec du jambon sec, un peu. T'as réussi? Attention de ne pas tomber. Mais j'en ai pas. Oui, l'escaladeuse, là. Parce que je peux pas. Tu peux pas, bah. Je disais donc qu'avec du jambon cru, ça aurait pu le faire, mais je n'en ai pas. J'ai trouvé une recette sur internet qui doit être super bonne avec du basilic, de la mâche, des pignons de pin, de la feta, des olives vertes. Ça doit être trop bon. Donc, je vais refaire ça, mais sans pignons de pin, sans feta, sans mâche, sans olives vertes. Donc, en gros, je vais faire une salade avec ce que j'ai, en fait. Voilà. Et je pense que ça sera bon quand même. Alors, j'ai continué à préparer la salade de pâtes. Donc, pâtes, maïs... tomates séchées, il y avait déjà un assaisonnement, et j'ajoute du parmesan que je fais avec, je fais des copeaux avec un économe. J'achète du parmesan comme ça, pas râpé, parce que la dernière fois, en fait, je me suis fait avoir, j'en ai acheté du râpé et il était pourri. Bon, c'était pas dramatique, moi j'en ai mangé, mon fils aussi, mais on s'en est rendu compte et on n'a pas été malade, c'est pas le problème, mais c'est que ça, comme ça, ça va mieux se conserver. Et je le râpe en fait au moment à table, en fait, au moment où on en a besoin, je le râpe en direct à table, et sinon après je le garde comme ça, je ne le râpe pas en avance. Et du coup, il y a des petits copeaux là, et ça sent super bon. Hein. Et voilà, ma salade est prête, c'est tristoun, j'ai dû allumer la lumière. Il est 17h, mais en fait, on a des gros cumulonimbus, donc il fait tout noir. Voilà, ça c'est terminé, donc je les mets dans une boîte carrée comme d'habitude pour pouvoir bien les ranger au frigo. Et puis je passe à la suite, je fais pas grand chose. Là, je fais ça, je fais cette salade-là, mon artichaut est cuit, je vais le sortir, je vais le mettre à refroidir. Et je le mangerai ce soir en entrée, et je vais préparer des boulettes, de pommes de terre et puis à la viande. Pour faire les boulettes, j'ai de la viande hachée ici qui est cuite. J'ai déjà mis des oignons dedans en minuscules morceaux pour que ça cuise mieux. La viande, je l'ai cuite avant de faire mes boulettes. Vous pouvez tout à fait la mettre crue, c'est vous qui choisissez. Mais personnellement, je préfère quand c'est cuit. Moi, là, je l'ai déjà fait cuire. J'ai fait cuire hier. C'est pas pour un gain de temps. C'est juste que ma viande était bonne jusqu'à hier et je voulais vraiment pas prendre le risque qu'elle soit perdue aujourd'hui. Donc, je l'avais déjà cuite hier. Mais sinon, je l'ai cuite avec un petit peu d'huile, des oignons. Et c'est toujours pareil. En fait, vous mettez ce que vous avez l'habitude de mettre dedans. Vous faites comme d'habitude, en fait, de façon à être sûr que ça va être quelque chose qui va vous plaire, en fait, gustativement parlant. Et voilà, les légumes sont cuits. Bon, ça a même fait un petit carnage, mais c'est pas dramatique. Je range au fur et à mesure. Hein. Donc maintenant, je vais les égoutter et je vais les réduire en purée. Donc moi, je vais me servir de ma fourchette parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Mais vous prenez ce que vous avez. Une fourchette, un presse-purée électrique, le pied d'une chaise, ce que vous voulez. Il faut réduire ça en purée. Il peut rester des petits morceaux.
En fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus impressionnant en regardant dans la rue que dans les champs. Ouais, ça tombe bien. C'est de la grêle. Et dis donc, on a perdu... on a perdu une dizaine de degrés. Là, il fait vraiment froid dehors. Waouh. Oh, un éclair, vous l'avez vu? Bon, finalement, je vais aller chercher les garçons à l'arrêt du car scolaire parce qu'il pleut beaucoup et il fait froid. Ouais, il fait 3 degrés. Donc, je vais aller les chercher. Bon, clairement, je ne vais jamais les chercher à l'arrêt de bus. Enfin, c'est très rare. Je les dépose le matin quand... Enfin, je les dépose le matin quand Margot va chez Nounou, mais c'est pas tous les matins que Margot va chez Nounou. Voilà, sinon, les enfants, je leur dis, vous pouvez rentrer à pied. Voilà, mais c'est vrai que quand il y a du temps comme ça, c'est moyen. Après, c'est pas à 10 km, mais c'est pas à 100 mètres non plus, quoi. Donc voilà, ils seront contents. Puis là, ouais, vu comment il pleut et vu comment il fait froid, voilà, je me mets à leur place. J'apprécierais aussi qu'on vienne me chercher, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire des fois, c'est se mettre à leur place. Même si je l'ai fait étant gamine, hein, j'ai déjà, c'est déjà arrivé que je rentre de l'école et qu'il pleuve comme ça et que je rentre absolument trempée, c'est déjà arrivé. Hein. Mais j'aurais bien aimé qu'on vienne me chercher. Voilà. Bon, c'est bon, les garçons sont rentrés et mon mari est en train de rentrer. Bon, et puis pour le goûter, j'avais acheté du pain. Donc c'est 3 baguettes achetées, la 4e offerte. Ça, c'est bien pratique. En plus, le pain est vraiment très très bon. On met au congèle et au moment où on veut s'en servir, on le passe au four en l'ayant passé un petit peu sous l'eau. Il ressort super bien. Et donc, du pain avec de la pâte à tartiner. Alors, dans ce mélange, il y a 2 œufs, sel, poivre, de la ciboulette, de la moutarde, de la moutarde comme ça, douce. Je vais ajouter un petit peu de poudre d'ail. Oui, et je vais ajouter les pommes de terre et le chou-fleur. Je vais réduire en purée. Ensuite, je vais ajouter la viande. Et puis, je pense que ce sera bien comme ça parce que c'est vraiment un mélange. En fait, c'est le mélange que je fais habituellement. Et j'aime beaucoup comme ça. Par contre, les morceaux, trop d'ail, je ne vais pas aimer du tout. Je ne supporte pas tout ce qui est hachis ou boulettes ou quoi. Il y a vraiment trop le goût d'ail. Ça, c'est quelque chose je n'aime pas. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et c'est pareil, le mélange persil-ail, j'adore ça, mais dans les boulettes, je n'aime pas ça du tout. Alors, mon mélange est prêt, mais c'est un petit peu trop liquide, parce qu'il faut que, la boulette se tienne. Et là, elle se tient pas, ça va plutôt faire un palais. Donc, je vais ajouter un petit peu de farine, mais pas beaucoup, hein, parce que il vaut mieux en rajouter petit à petit que de trop. Et là, maintenant, à partir de maintenant, je mélange avec mes mains. Et je vais ajouter ensuite aussi de la chapelure. Alors la chapelure, soit vous l'ajoutez dedans un petit peu et après vous les roulez dans la chapelure, soit vous en ajoutez directement dedans la quantité que vous voulez et vous ne mettez pas de chapelure après. Et c'est ce qui va se passer pour moi ce soir parce que il est déjà 18h30. C'est pas que j'en ai ras-le-bol de ma journée, par contre j'en ai un peu ras-le-bol d'être dans ma cuisine et pourtant j'ai pas fait beaucoup de choses. Mais là clairement j'en ai marre donc du coup je vais me simplifier la vie. Après je fais des choses que moi j'ai déjà faites, hein. Je le fais parce que je sais que c'est possible de le faire. Je ne me lancerai pas dans un truc où je ne suis pas trop sûre, surtout si c'est au moment où j'en ai un peu marre. Si je commence à en avoir marre et que je commence à expérimenter des choses, c'est la meilleure façon pour devoir tout recommencer. Et donc voilà, là je remélange et comme ça après je vais pouvoir façonner mes boulettes. Et c'est pareil, les boulettes, normalement, on sert des petites boulettes minuscules comme ça, toutes mignonnes. Mais moi, je vais faire de la bonne grosse boulette, hein, parce que ça prend beaucoup de temps sinon. Je l'ai fait une seule fois de faire des petites boulettes et honnêtement, j'en avais marre de chez Mars. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Donc là, clairement, ça sera de la bonne boulette. Un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Hop, alors on va passer... Au montage, bon, tout le monde sait faire des boules, mais je pense qu'elles vont peut-être un petit peu s'affaisser, mais ce ne sera pas bien grave. Voilà, hop, ça donne ça. Donc là, je les pose là sur un genre de papier cuisson, mais c'est un papier cuisson réutilisable, la balle en fait. Et surtout, ce qui est très important pour pas que ça s'écrase à la cuisson,
c'est de les mettre au frais. Et c'est pour ça que je voudrais avoir fini rapidement, c'est que ça prenne au moins le frais pendant une bonne heure et demie. Bon, après, ce n'est pas très chaud parce que la viande était froide, donc ça va m'aider. Mais voilà, vous voyez. Et donc ça, vous pouvez faire, mais avec n'importe quelle viande, avec l'assaisonnement que vous voulez. Enfin, vraiment, pff, des boulettes, c'est super bon. On passe, enfin, moi surtout dans ma famille, les boulettes, pour passer des restes, c'est nickel. Hein. Pour passer n'importe quel reste de viande, c'est nickel. Puis ça change un petit peu du hachis. Ça apporte autre chose, même si c'est au final les mêmes ingrédients qu'un hachis. Même si au final, ça reste les mêmes ingrédients qu'un hachis. Je ne sais pas si vous me voyez bien former la boule. Oui. Donc, même si ça reste les mêmes ingrédients qu'un hachis, c'est pas la même chose qu'on voit dans l'assiette. Hein, j'en parle quand même assez souvent. C'est important aussi la vision, c'est-à-dire le regard qu'on pose sur ce qu'on mange. Même si on en revient toujours aux mêmes ingrédients, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais. Hein. On a toujours tendance à croire qu'il faut manger 15 000 ingrédients différents dans le mois pour être en bonne santé, ce qui n'est pas vrai du tout. La variété, c'est bien, mais l'équilibre, c'est important aussi. Et donc, même si on a les mêmes ingrédients, bah, parce que voilà, parce qu'il faut finir ce qu'on a, eh bien, le présenter autrement, eh bien, ça aide aussi. Et puis, ça casse un petit peu cette monotonie de manger toujours la même chose. Donc là, oui, clairement, ça manque un petit peu de... Je vais peut-être remettre un petit peu de chapelure pour les prochaines. Et voilà, j'ai terminé. Chargeur de mon téléphone. J'ai terminé les boulettes. Donc, vous voyez, elles sont grosses, hein. Par rapport à ma main, je ne sais pas comment vous montrer. Enfin, ça fait un peu moins de la taille d'un poing. Mais franchement, ça prend beaucoup moins de temps. Faut y penser aussi. Et donc, j'ai ça. Et j'ai ça. Donc, c'est-à-dire que ça ne se congèle pas. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais moi, tout ce qui est pomme de terre, je ne congèle pas. Surtout la pomme de terre assaisonnée. J'ai trop eu de mauvais résultats. J'ai jamais eu de bons résultats, à part une fois un hachis. Mais voilà, moi, je ne prends pas le risque de les congeler. Vous faites comme vous voulez. On est 5. Ça sera parti rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les cuire. Et on fera réchauffer au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Et donc, voilà, il n'y aura déjà pas ça à préparer pour le week-end. C'est une bonne chose. Je vais ranger ça. J'ai la farine à ranger. Et sinon, ça va encore. Ça va encore l'état de la maison, pas vrai? Enfin, l'état de la cuisine. Ça va encore. Bon, c'est parce qu'elle a servi, quoi. Et voilà, j'ai fini de ranger ma cuisine. Il est 19h. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ma cuisine qui est rangée. Et en fait, je suis super contente parce que toute ma maison est rangée impeccablement. Et nettoyer et aussi aspirer et tout, parce que vous voyez bien, hein, toutes ces miettes qui traînent toujours partout quand on a des enfants, ou même quand on n'en a pas d'ailleurs, hein, parce que ça va quand même assez vite à se ressalir niveau poussière et miettes. Et donc là, ma maison est vraiment nickel pour le week-end. C'est tellement agréable, j'apprécie parce que je voudrais vraiment faire un petit peu autre chose que des corvées ménagères le week-end. J'essaye d'en faire moins, mais ça me stresse en fait. Quand j'ai pas réussi à tout finir, ça me stresse. Mais là, je tiens le bon bout et on voit clairement que les enfants sont retournés à l'école. Ça dit beaucoup moins vite. Donc, je vous montre la cuisine. Ensuite, moi, je vais aller prendre ma douche, mais vous n'allez pas venir avec moi. Et simplement, après, je vous montrerai le résultat des boulettes une fois cuites. Et puis, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, les boulettes, la cuisson... Soit au four, soit à la poêle, comme vous préférez. C'est à la poêle pour nous ce soir. Ça sent trop trop bon. J'ai trop hâte de manger ça avec une salade verte. Ça va être trop trop bon. Ça sent bon. Et alors le chou-fleur, il se sent pas du tout. Hein. Franchement, je vous invite à le faire. Voilà. Même si vos enfants aiment bien manger des légumes, voilà. Rajoutez-en, il n'y a aucun problème. Ça ne se sent pas du tout. Bon, après, je vous le dirai. Après, peut-être qu'ils vont capter, mais oh, ça sent tellement bon. C'est bon, Margot? Bon, clairement, les boulettes, elles manquent de repos au frais, parce qu'elles s'écrasent quand même. Bon, elles sont bonnes quand même, mais du coup, c'est vrai qu'elles sont pas aussi esthétiques, parce que vous voyez, elles s'écrasent sur elles-mêmes.
Ça aurait mérité plus longtemps au frigo. Hein. Cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt. Salut !